Bonjour, comment allez-vous? Alors, est-ce que vous passez de bons moments ensemble pendant ces vacances? Oui, c'est bien. Alors, pour passer de bons moments, la lecture. L'énigme de Pacha. C'est une histoire de Hélène Montard. Voici le dernier chapitre, chapitre 4. Alors, on sait déjà que la bande de Lila vient de résoudre l'énigme des ballons. Parce qu'on sait qu'un bouquet de ballons est accroché à un poteau. Sur chaque ballon, une lettre est dessinée. Elio les lit l'une après l'autre. IAATN. Ça ne veut rien dire. Pas si vite, dit Omar. Si on bouge les ballons comme ça sous ses doigts, les ballons changent de place. ANITA, appelle Elio. Un état murmure, marine. Un état murmure, marine. Un sourire éclaire le visage de Lila. Je crois que j'ai compris dit-elle, venez. Alors, voici chapitre 4. Lila entraîne ses amis en expliquant. Aneta habite tout près et je crois bien qu'aujourd'hui c'est. Les quatre enfants s'arrêtent devant une jolie maison. Une banderole est accrochée au-dessus de la porte. Lila, Elio, Omar et Marine la déchiffrent ensemble. Joyeux anniversaire, Anita. Joyeux anniversaire, Anita. Les enfants jouent déjà dans le jardin. Ce sont les élèves de leur classe. Anita court à leur rencontre. Voici Anita. Bravo, vous avez deviné tous mes indices. Rentrez vite. Mais, murmure Marine, nous ne savions pas et nous n'avons pas de cadeau. C'est dommage. Si, répond Anita, le cadeau, c'est vous. Et moi, je me suis bien amusé à inventer le jeu de piste. J'espère que nous ne sommes pas en retard pour le gâteau, s'exclame Omar. Bien sûr que non. Bientôt, tous les enfants sont assis autour d'une grande table. Voilà, un état peut souffler ses bougies. Et Pacha. Pacha a trouvé les buissons de rose très confortables. Il s'est endormi dans le parfum de fleurs. Les personnages de l'histoire que vous connaissez tous, c'est Lila, Omar, Marine, Elio et Aneta et Pacha. C'est bien sûr c'est l'anniversaire de Aneta. Et Pacha aide Aneta que la bande de Lila à trouver facilement les indices. C'est une jolie histoire. Alors, l'énigme de Pacha, c'est une histoire écrite par Hélène Montard et illustrée par Bérengère de la Porte. Voilà une bien drôle de journée qui commence. Ce matin, Pacha a disparu et Lila trouve un mot très bizarre devant sa porte. Pour retrouver son chat, elle doit démêler une énigme comme de vraies petites détectives. Lila et sa bande se lancent dans l'enquête. Merci, chers élèves. La prochaine, je vais vous raconter une autre histoire. Pendant ces vacances, il n'y a pas d'ennui.